What's going on, guys? Et bienvenue pour Medieval, ou alors plutôt Medieval, avec l'accent anglais. Donc, sorti en 98, septembre, octobre pour nous, octobre 98, hein, sur PlayStation 1. C'est vieux quand même. En tout cas, Medieval a eu un succès énormissime, et il va avoir un remaster cette année-là, 2018, cette année, je crois bien, qui va arriver sur PlayStation 4. En tout cas, Medieval est même sorti en version Platinum sur PlayStation avant d'avoir sa suite. Donc Platinum, ça veut dire que le jeu a tellement bien marché qu'il le ressort, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment cool. Donc très très bon jeu, il y a eu Medieval 2 et après il y a eu une version rééditée sur PSP aussi et PlayStation 3 en 2006 et 2007. Donc c'est pas un remaster, c'est un remake qui va arriver cette année, il va être en 4K. Etc. sur PlayStation 4, ça va être cool. Donc on verra un peu ce que ça donne. Peut-être que je le prendrai. Enfin bref. En tout cas, Medieval innove à l'époque sur PlayStation par des graphismes. Alors bon, les graphismes, je les trouve pas top. Je trouve que par exemple, du Parasite Eve 2 et tout ça, c'est mieux. C'est plus joli. Genre Resident Evil 2, Resident Evil 3. Medieval, je le trouve un peu vide. Mais sinon, les graphismes sont très potable, très bon. Sinon, en tout cas, la bande-son est extrêmement bien, très bonne qualité. Et surtout, il y a des voix. Tout le monde parle la plupart du temps, je pense. Et ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt sympa et plutôt cool. Après, pour ce qui est du gameplay, alors le gameplay a très très mal vieilli. Enfin, il est très très simple, en fait. C'est pas qu'il a mal vieilli, mais c'est qu'il est très simple. Mais il est efficace. Voilà. C'est qu'il est, il est assez efficace, donc c'est la bonne nouvelle. Après, pour le thème, donc ça reprend un peu le thème de Halloween, par exemple du film de Tim Burton. Et c'est plutôt cool. Et il y a beaucoup d'humour noir et tout, donc c'est sympa. On va regarder un peu la cinématique. Après, les personnages sont un peu extravagants, genre par exemple nous, notre... Le personnage principal, c'est un squelette. C'est un squelette, il a pas de mâchoire, il a juste un œil gauche, enfin voilà. Faut un œil droit, je crois. Il lui manque l'œil gauche, je crois. Cinématique assez cool, c'est sympa. Et boum. On voit que c'est pas du top notch hein, quand même hein, les animations hein. C'est pas trop ça. Comme je disais, les Resident Evil 2, 3, Parasite Eve sont quand même beaucoup plus jolis et on va dire aboutis niveau animation, je pense. Mais ça reste quand même un très bon jeu. Attention, je crache pas dessus. Hein. Après, les médiévilles ont toujours été... toujours eu le même sorte de gameplay, genre après il y a eu Maximo, tout ça, c'est toujours le même gameplay. Alors personnellement, moi je suis pas super fan de ce genre de jeu. Ouais, je dois dire, c'est pas trop mon truc, mais ça va, c'est bien. C'est pas trop frustrant. Maximo est beaucoup plus frustrant par exemple. Ouh, des zombies. Évidemment. Évidemment, il y a des zombies. Medieval. Ça c'était pas mal pour l'époque, je pense, parce que là on va juste au menu en fait. Et d'avoir ça à... Enfin c'est plutôt cool, cette entrée dans le menu, c'est plutôt sympa, plutôt stylé. Et voilà. Donc pas d'option, rien. Aucune option, que dalle.
Est-ce que ça va être la même? Non, c'est la suite en fait. Alors en gros, il prend les les âmes des gens, je sais pas quoi. Enfin, il en fait des morts et tout. Et mais en même temps, en fait, il réveille un ancien chevalier qu'il avait tué pendant une guerre. Donc c'est lui. Ouais, il lui manque l'œil gauche. Et la mâchoire. Donc voilà. Dan. It has risen again, Sir Daniel Fortescue. Daniel Fortescue. The hero of Gallowmere. Bon, on va zapper un peu parce que. On dirait Mr. Bean parce qu'il peut pas parler, donc il est là. Donc c'est le Mr. Bean en squelette en fait. Et voilà. Donc le gameplay est extrêmement simple. Croix, on tape. Voilà, après on a carré, ça fait un cercle, on peut charger le carré. Voilà. Rond, c'est pour sauter et ça c'est pour se baisser. Le triangle c'est pour se baisser. En fait le triangle c'est pour se protéger avec le bouclier. On verra quand on en récupérera. Après pour bouger les caméras c'est les R2 et L2. On peut aussi changer d'arme. Donc là on a des couteaux. Et on peut charger aussi, on en balance plusieurs. Voilà. Et on peut changer d'arme. On peut aussi prendre son bras. Voilà. Ça c'est la vie. Alors la plupart du temps les niveaux en fait vont être fermés avec des portes et il va falloir trouver une rune. Donc là il faut la star. La rune star. Donc voilà. Alors après il n'y a pas de sprint, rien. Donc c'est très. Encore une fois c'est archaïque. C'est un peu comme les premiers Tomb Raider, il n'y avait pas de sprint, rien. Et voilà. Et là maintenant on peut se protéger avec triangle. Alors c'est très très bizarre ce gameplay. Enfin c'est comment les touches sont placées. Donc par exemple imaginez je fais triangle là, pour maintenir le bouclier en l'air. Et après je fais croix pour taper. Et tout en restant protégé en fait. Donc il faut que mon doigt passe du triangle à la croix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très étrange comment ils ont mis les touches. On peut lire hein, tous les pupitres avec les livres et tout ça, on peut toujours lire. C'est juste du. Il nous donne juste un peu de gameplay parce que là on est dans le tutoriel. Donc le jeu va être divisé en plusieurs mondes comme ça. Donc là on est dans le cimetière. Alors le début est très simple. On voit il y a des mains comme ça. Je crois que dans le 2 on pourra mettre notre tête sur une main. On fera peut-être le 2 un jour ou l'autre. Mais voilà, après ce niveau animation, c'est pas moche, mais regardez les zombies quoi. Il n'y a pas de genoux, il n'y a pas de coudes. Enfin c'est un tronc avec 4 bâtons quoi, avec 2 jambes, 2 bras, c'est 4 bâtons quoi, c'est tout. Ouais, ce que je veux dire, c'est vraiment très très limité. Mais ça reste un bon jeu quoi. Alors on a le calice, à chaque fois qu'on va tuer, ça va en fait libérer les âmes. Et une fois que le calice est plein, on va pouvoir le récupérer. Donc là on va trouver une rune. Très très simple ce gameplay hein. Voilà, et quand on se fait toucher on a 300 points de vie, enfin plus ou moins, et ça nous remet de la vie. Donc là on a ça. On récupère la rune du chaos. Alors la caméra est chiante parce que des fois vous voyez qu'il y a l'icône en fait qui s'affiche comme quoi je peux pas la tourner.
Donc c'est ça résiste un peu, c'est chiant. Enfin, on peut se déplacer parce que la caméra en fait se bloque contre le décor. Donc des fois on peut pas la tourner. Après des fois c'est un peu dur, vu l'angle de caméra, c'est un peu dur d'apprécier les distances en fait. Vous pensez que vous êtes hors de portée, mais en fait non. Donc ça c'est un peu emmerdant. Là ça sera pour le calice, pour le moment on peut pas le récupérer parce que... On peut pas passer par là. Non. On peut pas le récupérer parce qu'il est pas plein. Alors il y a plein de petits secrets. Alors moi franchement j'aime pas ce genre de jeu. Pourquoi? Parce que ce qui m'embête c'est qu'il y a toujours plein de petits secrets dans les niveaux. Et des fois les secrets ils sont un peu tordus. C'est à dire que par exemple si je prends Maximo, parce que Maximo je le connais beaucoup plus, genre imaginez que voilà là il y a la couleur est pas la même. Donc il faudrait sauter pour faire apparaître par exemple un coffre. Et il y a plein de choses comme ça en fait moi dans Maximo qui me rendent fou. C'est que si vous voulez avoir 100% du niveau, bah il faut faire plein de choses comme ça. Et ça c'est très très frustrant pour moi je trouve. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas du tout fan de ce genre de jeu. Mais voilà, comme j'ai dit, Medieval reste un très bon jeu. Après que voilà, le gameplay il est vraiment très 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 simple. Il est pas vieux, il est juste simple en fait. Il peut pas mal vieillir parce qu'il est simple. Là c'est pour acheter. Ah, le calice est plein, on va pouvoir le récupérer. Donc là on peut acheter des dagues, des armes et tout ça. Donc supply, hop, dague. On va pas le faire, mais parce qu'on en a. On va aller au calice. On peut passer par là. En plus avec ce genre de gameplay, tu sais jamais si c'est possible ou pas. Ouais, là il y a des trucs. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Voilà, je sais pas si je peux passer par là en passant, en sautant, mais je sais pas. En tout cas, on va juste finir les niveaux. On va pas essayer de les faire à 100%. Mais voilà, c'est pour ça que moi, je trouve ce genre de jeu très très frustrant. En tout cas, pour moi, je m'amuse pas à chercher, à sauter comme un con partout, à chercher les moindres détails, recoins pour avoir du 100% dans le niveau. Moi, ça me rend fou, ça. Et voilà. Après, on peut aller là aussi, je crois. Putain, la caméra. Ah, on peut aller là. Il faut tourner la statue sûrement. Donc ouais, Medieval. Enfin, franchement, j'ai pas grand chose à faire. À dire. Parce que j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs en fait de jeu. Comme... Putain, la caméra, quoi, horrible. Après ça sert à rien de tuer les monstres hein, une fois que vous avez le calice. À moins que ça aussi ça compte dans les 100%, c'est possible. En tout cas on continue. Ouais, enfin moi j'ai pas grand chose en fait à partager de ce jeu parce que ouais j'y jouais comme tout le monde, mais je pense pas l'avoir fini, je pense que ça m'a pas marqué plus que ça. J'étais pas fan quoi. Et voilà, là, c'est la fin. Donc voilà. Donc vu qu'on a le calice, maintenant on arrive là. Si on n'a pas le calice, on n'y va pas dans cet endroit.
Welcome to the Hall of Heroes, where the bravest warriors from history spend eternity. Well. Calice géant. Alors je sais pas exactement ce que ça fait d'avoir tous les calices. Je m'en souviens pas du tout. J'aurais sûrement dû attendre, enfin écouter le... Ouais, là il va falloir débloquer plus de calices en fait. Peut-être qu'on récupère des habilités ou des trucs comme ça. Ah, voilà là. Le premier. Captain Fortescue, it's me, Canny Tim. Does the battle go well? How I wish I could fight at your side again, sir. But hold, you could take my crossbow. It's got rapid fire and you can ricochet the darts off walls to shoot around corners. I used it at the Battle of Galamir. After you were slain, I shot Zarek's champion, Lord Cardock, a clean kill through the eye at some thousand yards. Yeah. Not that there's anything clever about shooting someone in the eye, sir. Oh. Goodbye, sir. Toujours un peu d'humour. Donc maintenant on a la... On a l'arbalète. Cool. Donc ouais, on va récupérer des habilités à chaque fois. Enfin des armes ou des trucs comme ça. Comment on sort ? C'est cool, mais quoi? S'il vous plaît, comment on sort? La porte est ouverte? Non. Ça, c'est pour les... Bon, en plus avec la caméra, je peux pas trop voir les côtés. On va continuer. Enfin voilà, en tout cas, ouais, on récupère des armes et tout, sympa. Je crois qu'après, on va devoir simplement racheter des munitions. Leave, yes. Ah, ok, d'accord. Faut se mettre là et faire start. C'est bien parce qu'ils nous le disent pas. Parti. Ah. Yeah. Voilà. Quoi dire? Ouais, non, pas grand-chose. Pas vraiment grand chose. Je sais plus s'il y a des boss, je pense. Even from the shackles of death, my old enemy pursues me. You're too late, Fortescue. Already my army has risen from the grave. You will never leave this necropolis. Wow. Quel acteur. Quel acteur.
Alors là, on a une sorte de luciole. La luciole, en fait, nous indique qui on est en train de cibler. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, on va reprendre ça parce que sinon, on utilise des balles pour rien, quoi. Alors ça, il faut pas l'ouvrir, je crois. Oh wow. Ok. Alors après, il y a des petits détails comme ça. On voit les couteaux qui sont bloqués, enfin qui sont plantés dans les ennemis. C'est plutôt sympa. Mais surtout, voilà, écoutez cette musique. Cette musique est cool. Les bruitages sont très passables. Ça, c'est correct. C'est correct. Le mieux reste la musique. Ok, on va devoir passer par là.